Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo de trading qui va résumer mes journées de trading du lundi 10 octobre, du mardi 11 octobre. Et puis là, comme il y a un petit creux sur les marchés, on est actuellement le mercredi 12 octobre et je suis aussi en train de trader. Je ne sais pas si je vais finir ma journée là. J'observe pas mal le Dow Jones qui est assez nerveux. Donc ce sera peut-être la vidéo des 3 jours si je ne fais pas des trades supplémentaires. En tout cas, on va essayer de reprendre ce que j'ai fait depuis le début de semaine. Alors, j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. J'étais vraiment dans un état très 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 fatigué, épuisé, un état grippal. Donc, j'ai passé beaucoup de temps au lit à dormir pour essayer de me refaire un peu une forme. Alors, ça s'est bien passé. Alors, pour les trades, on va les voir. Là, je vous les affiche. Voilà, donc là, ce sont les trades de la journée du 10 octobre qui a pas trop mal marché. Les trades ensuite de la journée du 11 octobre. Pas mal de trades, hein, beaucoup de trades. Là aussi, une journée assez sympathique. Et puis aujourd'hui, donc les trades à l'heure actuelle, les trades du 12 octobre qui sont beaucoup, beaucoup moins glorieux et efficaces, hein, puisque pour l'instant, sur le DAX, je gagne 62,50 € moins les frais, ça doit faire une cinquantaine. J'ai passé pas mal de trades, 45 ou 50 € et j'ai 70 $ de gains sur futur. Alors, je vous ai par contre fait une synthèse pour gagner un peu de temps pour lundi et mardi. Donc, sur les futurs, j'ai fait 32 trades, j'ai gagné à peu près 1 600 €, un peu plus. Et 38 trades sur CFD, j'ai gagné à peu près cette somme-là aussi. Donc, je vais vous montrer les trades. Historique d'activité du 10 à aujourd'hui. Clac. Voir l'historique. Non, ça arrive. Hein. Faut juste que je me trompe pas. Bon, attends, je vais pas m'embêter. On va les faire. Hop, sur la semaine complète, depuis une semaine, comme ça on verra. Voilà, et donc ça, c'est les trades. Là, c'est les trades que j'ai passés actuellement aujourd'hui. Donc là, je suis gagnant de je sais pas du tout. Je compte pas en fait. Donc là, 75, 140, 10, 50, 125, 140. À peu près 400 € de gains sur CFD. Et on va voir, donc là, c'est les trades du 11. Il y en a pas mal. Voilà, tous les trades du 11, si vous voulez les analyser plus tard, et les trades du 10 qui commencent là et qui s'arrêtent ici. Et ça, c'est la semaine d'avant. Donc voilà, les trades. Alors j'aurai bientôt un module statistique avec des graphiques, je vais me débrouiller pour en faire un, ce sera beaucoup plus simple. Donc grosso modo, des bonnes journées, des bonnes semaines. Et donc du trading assez régulier, malgré des erreurs aujourd'hui. Bon, c'est peut-être le plus intéressant, c'est aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'étais vendeur systématiquement. Je pensais vraiment qu'on allait descendre. Et en fait, ça a été, si on regarde le profil de la journée, on a effectivement beaucoup, beaucoup descendu sur le DAX. Et donc, je me suis mis à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Mais il y a eu quelques comment dire rebonds, notamment les rebonds ici que je me suis pris un petit peu en pleine tête. Mais comme j'étais assez sûr de mon analyse qu'on aurait du mal à aller rejoindre les 10 600, j'ai conservé mon pote à 10 539, donc ça fait 10 550, hein. Il y a 10 points d'écart avec le cours du réel. Donc j'ai conservé mon pote à 10 550 et quand on a été chercher les 10 601, j'ai repris encore une petite louchette et je suis sorti. Donc sur ces 3 trades, ça fait 804 € de perte, 916 € de gain, donc ça fait 100 € de gain. Et pour l'instant, là, le bilan total de la journée, bah, vous l'avez sous les yeux, c'est pas fabuleux, 62,50 € et 70 $. Si j'arrive à t'attraper, et voilà, 70 $ sur le Dow Jones. Donc voilà, j'ai vraiment une optique. Pourquoi j'ai une optique vendeuse sur tous les indices?
Parce que je trouve qu'il ne se porte pas bien. Là, si on voit depuis 2 jours, on a atteint un pic, vraiment un pic, et depuis, on n'arrête pas de descendre non-stop sur le DAX. Donc pour moi, on a un palier, on pourrait peut-être se stabiliser, mais il n'est pas encore là. Il est plus bas pour moi. Voyons, on l'a atteint là, les 10 492 qui faisaient les 10 500 points. On a été chercher les 10 500. Là, on essaie de rebondir un petit peu de dessus. On a repris. Maintenant, on est à 10 000 sur le cash, on doit être à 10 525 à peu près. Voilà, on est à 10 525, c'est ça, il y a bien 10 points d'écart. Donc voilà, c'était un peu ma stratégie. On descend, on descend, on descend jusqu'à temps qu'on aille chercher un support symbolique important. Là, les 10 500, on a été les chercher, on rebondit dessus. Donc demain, tout peut à nouveau rebasculer, on peut repartir vers les 10 600. Mais j'ai plutôt un a priori négatif quand je vois par exemple. Ces bougies journalières, là on voit, on est dans un range depuis 7 jours, 8 jours, donc depuis en bourse, qui a quasiment 2 semaines. On est vraiment sur un range étroit, on va taper le point pivot mensuel. On essaye d'aller chercher la middle R1 mensuelle. Je vais vous mettre en un peu plus grand, je pense que vous verrez mieux, sans que je passe un ordre par inadvertance. Voilà. Donc là, vous devez mieux voir. Donc on a réussi une seule fois à franchir cette middle R1M, qu'on est passé au-dessus des 10 650, et on voit qu'on a plutôt tendance à aller chercher de plus en plus bas, hein, les 10 450. Donc on a 10 491 le point pivot mensuel. On l'a retouché aujourd'hui, on est reparti un petit peu. Là, on a repris un peu de points. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même une configuration un petit peu baissière. Et si on prend un tout petit peu plus de hauteur, en fait, on stagne quand même énormément, énormément depuis un trimestre, hein, depuis 3 mois. On stagne vraiment sur les plus hauts, on n'arrive pas à atteindre les 10 750. Et on a un petit profil qui commence à être baissier. Un retour sur les 10 400, 10 300, ça ne me paraît pas une folie absolue. Et le Dow Jones? Alors, on va regarder ce que ça donne sur le Dow Jones. Alors sur le Dow Jones, là, pareil, hein, sur 3 mois, on a là sur le Dow Jones la résistance mensuelle, hein, qui est vraiment très bien symbolisée, 18 500. On n'arrive pas à la prendre et on fait en fait du yo-yo entre le point bas, le support à mensuel et la résistance 1 mensuelle, en fait, qui nous montre vraiment un peu les deux niveaux haut et bas. Et on a comme ça une amplitude de 600 points. Alors 600 points pour l'indice qui fait 18 000 points, c'est-à-dire qu'on a une amplitude depuis 3 mois sur le Dow Jones de 3%, de 3,5% maximum. Donc c'est totalement, totalement ridicule. Voilà. Donc je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Et bon, j'ai un profil un tout petit peu baissier. Je pense que ça pourrait plus baisser en fait que monter. Alors si on regarde le Nasdaq. Le Nasdaq, lui, par contre, il est au taquet. Alors lui, il n'a pas arrêté de monter depuis un trimestre. Il s'est pris une belle petite claque là, comme à peu près tous les indices sont début septembre. Et puis là, depuis 2 jours, bah, il a un profil un petit peu baissier quand même. Il a été lui aussi rebondir sur son point pivot mensuel. Hein, lui, il reste quand même haut, hein, assez élevé, mais il commence à montrer des signes de faiblesse. Là, on a été quand même sur le plus bas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est actuellement sur le plus bas de 3 semaines. Donc, ça fait quand même un petit profil un peu négatif. Et sur le S&P 500, on a à peu près le même profil que le Dow Jones, mais on a quand même un petit peu de mal pour moi, je trouve, à se maintenir. Voilà. Hein, on a vraiment une sorte de baisse là depuis le mois de septembre, larvée. Les plus hauts sont de plus en plus bas, et les plus bas, eh ben, eux commencent à être de plus en plus bas. C'est quand même un petit signe comme quoi, à mon avis, ça pourrait lâcher. Bon, c'est pas impossible. Je suis toujours acheteur, hein, je suis toujours bulle, j'allais dire par nature. Mais là, bon, ça commence à m'inquiéter un petit peu ces marchés. On pourrait peut-être éventuellement baisser un peu parce que on n'arrête pas sur tous les indices. Le CAC 40, c'est les 4 500 points qu'on n'arrive pas à franchir. Le DAX, on vient de le voir, on n'arrive pas vraiment à rester au-dessus de 10 600, 10 650 points. Les 2170 sur le S&P 500, on n'arrive pas
à se maintenir dessus. Et en ce qui concerne notre ami le Dow Jones, bon, c'est clair, lui c'est 18 500, il n'arrive pas à franchir. Donc à partir du moment où on essaye depuis des jours, des semaines et des mois à franchir ces résistances et qu'on n'y arrive pas, je me dis on est potentiellement, pourquoi pas, proche d'un revers. C'est peut-être dû d'une chute de 2, 3, 4, 5% des marchés. C'est pas énorme, hein. Mais on en a notre Dow Jones, lui, ça fait 3 mois qu'il reste sur 3% de variation. Et on voit, on a eu, bon, c'est la fameuse journée là du 24 juin, que quand il lâche, bah, Pépère il lâche, hein. Il nous avait perdu là 600, 700 points. Bon, on a le Brexit, on a tout ça, mais voilà, on a un potentiel baissier, à mon avis, possible. Voilà, c'est vraiment ma petite analyse, c'est plus du feeling qu'autre chose. De toute façon, toutes les analyses sont forcément un moment du feeling, mais j'ai rarement vu autant de mois, 3-4 mois, où on n'arrive pas à franchir des résistances, on bute dessus et on reflue systématiquement. Donc il y a peut-être un moment où les acheteurs vont commencer à douter au bout de 3-4 mois, et les vendeurs vont se dire on va peut-être accélérer un peu les choses. Et honnêtement, pour moi, ce serait idéal d'avoir ça, parce que on pourrait comme ça se repositionner peut-être à l'achat. Si on pouvait avoir une bonne claque, ce serait profitable. On pourrait aller regarder du côté des actions, recharger le PEA par exemple. Donc ça pourrait être une bonne idée pour tout le monde, en fait, qu'on baisse un petit peu, enfin même allez, 5%, ce serait déjà pas mal pour commencer à préparer l'année de 2017, qui risque d'être un petit peu secouée à mon avis. Voilà, donc j'arrête la vidéo. Grosso modo, ça s'est plutôt pas mal passé depuis 2 jours. Là, actuellement, je suis en gain de, je vois, sur CFD dans les 400 et une centaine d'euros sur futur. 17 h 55. Ça sera finalement la vidéo pour ces 3 journées de trading. J'ai pas passé de trades supplémentaires, c'est bon. Écoutez, je vous dis à demain, on sera jeudi, et soyez prudents sur les marchés.